Yéba tout le monde, bienvenue dans la catégorie entreprendre et voilà la phase pratique, voilà. Donc en phase pratique, voilà, j'essaie de créer un compte professionnel. Donc pour ce faire, en fait, j'adresse un mail à ma banque, en fait, pour voir si tout simplement on peut mettre en place le contrat et les signatures électroniques associées. Alors pourquoi je passe par voie mail? Bah, tout simplement pour espérer gagner un petit peu de temps, parce que je pense qu'effectivement, ce qu'on va me proposer par téléphone, c'est on va essayer, voilà, de me vendre de la carte bancaire, donc du service associé. Est-ce que vous voulez simplement, en fait, un compte professionnel sur un compte courant usuel comme le vôtre, mais plutôt vous allez l'utiliser pour un usage professionnel? Et à celui-là, est-ce que vous voulez une carte de débit, de crédit, de paiement, etc., etc., quoi. Donc voilà, donc vous faites votre choix et forcément il vous en coûtera plus cher si vous associez des services. Donc voilà, moi je vous ferai un peu part de combien de temps il m'a fallu pour créer ce compte bancaire professionnel par ma banque perso. Voilà, donc on va voir un peu ce qu'ils nous proposent et peut-être que je vais leur demander aussi si ils sont capables de me donner quelques informations sur les API, voilà, sur les interfaces possiblement de paiement qu'ils pourraient mettre à disposition et combien ça va me coûter par mois également. Allez, donc on va voir là dans mon cas de figure, en fait c'est une grande banque connue, voilà, donc on va voir ce qu'elle va me dire cette banque. Allez, je vous dis à bientôt. Et je vous dirai les autres étapes, combien de temps ça m'a pris et si j'ai rencontré des difficultés pour cette étape ou pas. Allez, je vous dis à bientôt.